Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Demain soir, le Real Madrid affronte le Deportivo Alavés pour une nouvelle journée de Liga. Il y a de nombreux absents, même Zinedine Zidane est absent. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors comme je vous le disais les gars, demain soir, très gros match. On le sait, à l'aller, on s'est incliné face à cette équipe. Et malheureusement, demain soir, je pense aussi que ça va être très difficile. Zinedine Zidane est positif à la Covid-19. Donc malheureusement, il sera indisponible pour le moment et jusqu'à qu'il ait un nouveau test PCR négatif. Donc c'est donc David Bétoni, qui est l'entraîneur adjoint, qui sera sur le banc en tant qu'entraîneur, qui remplacera Zinedine Zidane. Et du côté des joueurs, encore une fois, la liste est longue, énormément d'absents. On a appris malheureusement la blessure de Fede Valverde, donc qui est blessé musculairement. Il risque de perdre 3 à 4 semaines minimum. Carvajal, qui s'entraîne et qui continue son processus de récupération, ne sera pas encore disponible, n'est pas encore prêt pour le match de demain soir. Donc Carvajal, Fede Valverde et Ramos est également absent. Il ne sera pas dans le groupe. C'est Bétoni, l'entraîneur adjoint, qui l'a confirmé lors de la conférence de presse. Donc Sergio Ramos, Carvajal, Fede Valverde et malheureusement Nacho, qui est toujours cas Covid-19. Donc compliqué pour lui de rejoindre le groupe tant que les tests ne sont pas concluants. Donc voilà les gars, c'est surtout cette défense qui est impactée avec Ramos, Carvajal et Nacho qui sont absents. Ça laisse en défense l'opportunité à Militao de se joindre à Raphaël Varane. Donc ce sera une défense Raphaël Varane et Militao. Sur le côté gauche, ce sera Mendy. Et puis côté droit, on va voir est-ce que Bétoni et Zinedine Zidane vont donner la chance à Odriozola après le match médiocre qu'il a pu faire face à Alcoyano. Ou est-ce que ce sera Lucas Vasquez qui continuera de remplacer Carvajal pour le moment? Donc on ne sait pas, on verra bien. Et puis au milieu de terrain, vous le connaissez, hein, je pense que ça fait 5-6 ans qu'on le voit, ce sera Casemiro, Kroos et Modric, puisque Fede Valverde est blessé et Isco est catastrophique en ce moment, ce sera du classique. Et puis au niveau de l'attaque, on espère et on pense qu'Eden Hazard sera titulaire indiscutable, Benzema l'accompagnera et ce sera Marco Asensio sur ce côté droit. Donc voilà les gars, des blessures qui ne font pas plaisir, hein, comme toujours. Des absents importants, notamment en défense. Moi, je pense que la défense du Real Madrid sans Sergio Ramos et sans Carvajal, c'est pas la même chose et vous allez le voir dès demain. Sinon, après, entre guillemets, on n'a pas d'excuses parce que Fede Valverde, certes, il est très bon, mais c'est un remplaçant pour le moment, c'est un remplaçant cette saison. Et puis le reste de l'équipe, c'est l'équipe classique. Donc, à nous de changer cette dynamique. Le passé, c'est le passé. Ça fait mal. Je vous l'ai dit, ça fait très mal. Mais à nous de nous accrocher à cette deuxième place. Cette année, on vise la deuxième place. Malheureusement, ça va être très difficile d'aller chercher cet Atlético de Madrid qui a encore gagné hier sur la pelouse d'Eibar avec un Luis Suarez qui ne cesse d'impressionner tout le monde. Et donc voilà, on s'accroche à ce podium, on lâche rien. Il nous reste plus que la Liga et la Ligue des Champions. Donc il faut tout donner. J'espère que les joueurs, inconsciemment, ça leur a donné un coup à la tête et qu'ils vont pouvoir se bouger, qu'il y a des choses qui vont pouvoir également changer. À noter une chose, on parle d'Odegaard d'Arsenal, il devrait rejoindre son ami Ceballos, hein, qui fait partie également du Real Madrid, de cet effectif-là. Donc deux Madrilènes sous les ordres d'Arteta. Et puis voilà, rien de prévu pour le moment dans les transferts. Jovic est parti. On parle de Militao à Tottenham avec Mourinho ou bien au Bayern Munich. Honnêtement, je pense que c'est une grave erreur. Et je pense aussi que la direction et Zinedine Zidane vont s'en rendre compte, par exemple cette semaine, ou comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, avec la Covid, avec les blessures, aujourd'hui, il te faut un effectif complet. Et vendre ou prêter Militao, ce serait pour moi une énorme catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas Ramos et tu n'as pas Nacho qui est en Covid-19. Heureusement que tu as Militao, sinon ce sera Just. Just, il est capitaine du Castilla. Mais voilà, c'est Just. Donc Militao, c'est déjà mieux avec Varane. Ça ne me pose pas de problème, ça va lui donner du temps de jeu. Donc voilà les gars, victoire obligatoire demain pour ce Real Madrid, pour se relancer en Liga. Alavés, c'est une équipe qui est très mal classée, qui est 17e de ce championnat, mais qui pose des problèmes. On l'a vu face au FC Séville en début de semaine, ils ont perdu 2-1 à domicile. Mais ils ont raté un penalty, et ils ont posé énormément de problèmes à ce FC Séville qui s'en est remis à un exploit de Souso. Donc ne pas négliger encore une fois cette équipe d'Alavés qui sait que le Real Madrid est en difficulté en ce moment, qui va en profiter pour donner un coup et voilà pour nous faire tomber encore plus bas. Mais voilà les gars, il faut y croire. Moi j'y crois, comme je vous l'ai dit, on lâche jamais notre équipe et moi je les lâcherai jamais.
Demain, victoire obligatoire en espérant qu'en attaque, ben, on voit un petit peu d'Eden Hazard en forme et on voit un Benzema qui remarque et qui va mieux. Le milieu terrain, j'espère que ça ira mieux pour Modric qu'on n'avait pas vu lors du dernier match. Et puis, cette défense, on va voir la surprise du côté droit. Les gars, à la Madrilina Damas, merci de me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci d'être de plus en plus à regarder mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Les gars, à la Madrid!